parler de la part de Dieu. Alors, quand un prophète ou une prophétesse passe dans les coins, je dois être sensible et agile spirituellement. Parce que à tout moment, il ou elle peut libérer une parole, il peut faire un shift dans ta vie. Amen. Donc, sois sensible, sois ouvert. Alors, quand je vais appeler la prophétesse, la servante de Dieu, la prophétesse Frida, je vais t'inviter à clamer très fort pour le Seigneur Jésus. Et si tu peux t'élever au passage, rendre gloire à Dieu. Au micro, oh, que le Seigneur soit béni. Et je sais que vous êtes là depuis minuit, c'est ça? Waouh! Que le Seigneur vous bénisse. La présence du Saint-Esprit est là. À peine je suis rentrée, j'ai senti. Et ça me prend déjà. Est-ce qu'on va acclamer la présence du Saint-Esprit? De gloire. Amen. Nous lisons dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci car je sais que ce que tu as commencé, tu vas l'emmener à la perfection. Saint-Esprit, que tu puisses emmener toutes choses à perfection. Saint-Esprit, que le don du parler en langue puisse se déverser sur chacun ici présent. Saint-Esprit, quand tu es quelque part, tu fais toujours une œuvre. Tu ne peux pas passer quelque part et que les gens restent les mêmes. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait un shift. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Alors Saint-Esprit, nous te désirons encore plus. Nous te disons, prends encore plus de place. Alléluia. Je lis dans le nom de Jésus. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Est-ce que tu peux dire, il remplit toute la maison. Il remplit toute la maison. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire, tous remplis du Saint-Esprit. Tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Bien aimé, le parler en langue est la langue avec laquelle tu parles avec Dieu et que le diable ne peut pas décoder. Alléluia. Amen. Quand tu es enfant de Dieu et que tu acceptes le Seigneur, tu rentres dans le royaume. Le Seigneur t'enlève des ténèbres et t'emmène à la lumière. Il te donne une langue. Alléluia. Amen. De la même manière que nous naissons dans les familles, quand tu nais dans une famille, quand tu arrives, il y a une certaine langue dans cette famille et tu apprends cette langue. Alléluia. Alors tu dois la désirer, tu dois soupirer après. N'écoute pas la voix du diable. Le diable va te dire, c'est du charabia. Non, ce n'est pas du charabia. Et c'est ce qui bloque le parler en langue. Le diable va te dire, ce que tu es en train de dire, c'est du babillage. Mais j'aimerais te dire une chose, que tout enfant, tout bébé qui naît commence par le babillage, n'est-ce pas? Alors toi aussi, tu dois commencer à babiller. Ce n'est pas grave. À force de le faire, à force de babiller, tu vas commencer à parler la langue. Alléluia. Et le parler en langue vient là où il est désiré. Le parler en langue vient là où il est souhaité. Jésus dit, méchant que vous êtes, si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison celui qui demande le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, il ramène une nouvelle langue. La langue montre aussi que tu es dans une nouvelle identité. La langue montre que tu es d'un certain pays, le royaume des cieux. Alléluia. Quand tu sors dehors et que tu vois une personne qui parle une certaine langue,
Par la langue, tu peux identifier de quel pays est la personne. Alléluia. Alors, n'écoutez pas les mensonges du diable. Le diable peut venir pour te dire que tu es en train de dire tout et n'importe quoi. Ne l'écoute pas, ferme les oreilles, continue à parler. Alléluia. Quand on parle en langue, ne sois pas troublé, mais commence à parler et ça va venir. Ne dis pas non plus, j'ai déjà essayé de parler, j'ai parlé une fois, mais après ça ne vient plus. Non, la Bible dit dans Romains chapitre 11 verset 29, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Alléluia. Amen. Le parler en langue est un don, et quand ce don vient, il ne peut plus partir. Ce que tu dois faire, c'est de ranimer. Comme l'apôtre Paul dit à Timothée, tu dois ranimer le don qui est en toi. Alors, tu dois ranimer ce don. Quand tu parles en langue, quand tu as une habitude de toujours parler en langue, c'est alors que tes yeux spirituels vont commencer à s'ouvrir. Parce que quand tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Alléluia. Tu vas commencer à manifester les sens de l'esprit. De la même manière qu'il y a les cinq sens charnels, il y a aussi les sens de l'esprit. Tu vas commencer à voir en esprit, tu vas commencer à sentir en esprit, tu vas commencer à parler en esprit, tu vois que tout va être en esprit. Alléluia. Alors nous devons désirer. Comme j'ai dit tout à l'heure, le parler en langue vient là où il est souhaité. Et je sais que dans cet endroit, il est souhaité, il est désiré, la présence du Saint-Esprit est désirée. Alléluia. Alors il faut juste briser toute barrière psychologique qui vient du diable, qui peuvent t'empêcher de parler. Ne te compare pas à l'autre, ne te dis pas l'autre parle mieux, moi je dis n'importe quoi. Non, toi tu te concentres, c'est entre toi et Dieu. Et le parler en langue est important parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le diable ne peut pas le décoder. Alléluia. Alors nous allons encore soupirer après le Saint-Esprit. Nous voulons encore soupirer après le Saint-Esprit. Tu peux me donner un rire, s'il te plaît. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il te plaît? Je sais que vous êtes fatigué, mais après, selon que le Saint-Esprit te dira de te tenir, tu pourras te tenir. Alléluia. Alléluia. Mi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement. Plus de discernement de ta voix, Seigneur, Seigneur, plus de toi. Nous désirons plus, Saint-Esprit, plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de ta. Saint-Esprit, remplis-moi, Saint-Esprit.
Thank you.
Saint-Esprit, commence à parler en langue. La Bible dit que celui qui parle en langue, c'est lui. Parle en langue, alléluia. La chandala va se faire. Et que c'est Les anges autour de toi.
Maintenant, que le Seigneur te bénisse. Tu peux retourner en la terre, le Seigneur.
Repose sur moi maintenant. Dis-le bien. Tu dois me dire avec conviction. Que le manteau du feu du Saint-Esprit repose sur moi maintenant. Que tout manteau de honte me quitte. Que tout manteau de timidité me quitte. Que tout manteau de blocage me quitte. Que tout manteau de stagnation me quitte. Que le manteau du feu du Saint-Esprit repose sur moi. Que le manteau du feu du Saint-Esprit repose sur moi. Alléluia, reste calme. Alléluia. Manteau du Saint-Esprit repose sur moi. Manteau du Saint-Esprit, alléluia, repose. Manteau du Saint-Esprit, repose sur moi. Manteau du Saint-Esprit, repose sur moi maintenant. Repose sur moi. Manteau du Saint-Esprit. Oh, que le manteau du Saint-Esprit repose sur toi. Que tout manteau de honte te quitte. Que tout manteau de peur te quitte. Que tout manteau de timidité te quitte. Lâche-le maintenant dans le nom de Jésus. Ne vous êtes pas les dignes. Quel enchaîne dans ton monde te quitte maintenant. Au nom de Jésus. Oui, 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 oui. Au nom puissant de Jésus. Un sauce. Au nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce que le ciel peut mettre comme blocage dans ta vie, te quitte maintenant. Que ça sorte. Sors au nom de Jésus. 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 Manteau. Manteau du Saint-Esprit. Repose les chantiers. Au nom de Jésus. Rêve mon sac à mon papa. Oh, délivre-la. C'est la fille de ma âme. Quitte sa vie, c'est la fille de ma âme. Rêve un chagrin à ma âme. Oh, libère son propre nom de Jésus. 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 Dans le nom de Jésus. Tout esprit d'infirmité qui est plongé dans ce corps. Quitte ce corps dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Chantez Église. Chantez Église. La prière de Jésus a une grande efficacité. Alléluia. Délivre-la au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, délivre-la. Saint-Esprit fait la mort dans sa vie. Repose sur elle. Que le manteau du feu du Saint-Esprit repose sur elle. Que le manteau du feu du Saint-Esprit repose sur elle. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Sors au nom de Jésus. L'enchaîne dans ton corps. Sors maintenant. Quitte ce corps. Tout est pas maléfique. Quitte ce corps dans le nom de Jésus. 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 Chantez, chantez, chantez. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, merci. Voici encore ton temple, Saint-Esprit. C'est ton temple. Utilisez-la. C'est ton temple. Au nom puissant de Jésus. Manteau du Saint-Esprit, repose
le Saint-Esprit repose sur elle. Remplis-la d'une manière plus profonde. Qu'elle puisse déborder devant toi. Qu'elle puisse déborder devant toi. D'une manière puissante. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Remplis-la, Seigneur. Remplis-la, Seigneur. Remplis-la, Seigneur. Voici encore un temple, Saint-Esprit. Remplis-la. Sois le forgeron. Dans le nom du Saint-Esprit. Repose. Brise leur maladie. Dites-moi, brise. Brise la honte. Brise. Brise la maladie. Brise. Brise la honte. Monte du Saint-Esprit, brise la honte maintenant. Brise la maladie. Monte du Saint-Esprit, brise la maladie. Brise la honte. Brise les oppressions. La Bible dit l'onction brise le jour. Brise les oppressions. 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 Au nom de Jésus, que toute oppression soit brisée. Que toute barrière psychologique qui t'empêche d'exceller dans le ministère, dans la vie chrétienne, soit brisée. Nous sommes en train de chanter des chants spirituels que le Saint-Esprit est en train de donner. Ça n'existe nulle part. Alléluia. Alléluia. Je m'attends à recevoir encore une autre chanson, une autre mélodie, car je sais que les anges sont là. Alléluia. Les anges sont en train de chanter avec nous. Alléluia. 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 Que les anges fassent ministère maintenant. Sois sensible, bien-aimé. Que les anges fassent ministère maintenant. S'il y a des personnes qui ont des problèmes pour qu'ils se voient, j'aimerais te dire que maintenant la lumière est en train d'être donnée. Si c'est ta part, tu acclames tout simplement. Dis juste que je reçois. S'il y a une personne qui a constaté des blocages dans sa vie, je déclare maintenant. Je prophétise sur ta vie. Que les blocages sont brisés maintenant. Les barrières de l'ennemi à la vie sur ta vie sont brisées maintenant. Nous allons louer au nom. Donnez-moi un 4-5. Alléluia. Ça c'est pour les musiciens. 1-4-5. Nous allons louer en langue. Sur la même rythmique, mais les notes 1, 4 et 5. Alléluia. Alléluia. Ramachanda la basa. Et le mosanda baba. Chanda la baba. Eh, commence à louer. Tu es en train de louer. Mais tu loues en langue. Parce que en langue, tu dis des mystères. Saint-Esprit, je t'ai trouvé, Saint-Esprit, je t'ai trouvé.
cette chanson. Est-ce que vous avez fait l'offrande? Vous avez fait l'offrande? À quelle heure? À 5 heures. L'offrande est encore libre. Alléluia. Si tu veux encore donner, tu donnes. En fait, ce que j'ai compris, c'est que nous donnons, nous devons donner l'offrande à chaque fois que nous sentons que quelque chose se passe. Parce que nos ancêtres dans la Bible, à chaque fois, dressaient des autels. Apprends à dresser les autels à chaque fois que tu sens qu'il y a un ange qui est passé. Apprends à dresser les autels. Qu'on ne te dise pas donne l'offrande. Dans notre ministère, j'ai inculqué ça dans des personnes, dans tous mes enfants spirituels. Donne l'offrande à chaque fois parce que là, il y a des anges qui sont en train de circuler. Il y en a un que tu as senti qui t'a touché. Pose l'offrande. L'offrande, ce n'est pas le montant. C'est le vouloir quand tu veux, ce que tu as, même si c'est une pièce. Mais le fait que tu dresses un autel, ça reste une alliance entre toi et Dieu. Parce que le Saint-Esprit est en train de donner. J'ai vu des femmes, c'est des femmes stériles ici, j'aimerais te donner une bonne nouvelle. Cherche-moi après, le bébé arrive. Alléluia. Cherche-moi après, le bébé arrive. Ceux qui sont malades ici, le Saint-Esprit a déversé la guérison. Ceux qui sentaient leur vie bloquée, ceux qui sentaient que ta vie était bloquée, parce que entre vous avant, quand ta vie est bloquée, tu le sens quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tu vas sentir la différence. Parce qu'on ne peut pas rester dans la présence du Saint-Esprit aussi longtemps et ne pas être changé. Ce n'est pas possible. Sa présence juste restaure les vies. Sa présence juste change la destinée d'une personne. Sa présence. Donc n'hésite pas à donner l'offrande. Alléluia. Alléluia. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire. Et qui c'est qu'on veut chanter après toi? Mon âme, mon âme, mon âme soupire après toi. Parle-lui en langue. Parle en langue. Ce que tu vas dire, mon langue veut tout simplement dire mon âme soupire après toi. Et le Saint-Esprit qui connaît ce que tu dis va intercéder pour toi encore mieux que ce que tu dis. En ministère, en exercice, la machine de la maman.
mon âme soupire après toi, Saint. Mon âme soupire après toi. Dans mon langage, dans ma vie, dans mon caractère, dans tout ce que je suis, je soupire après toi. Dans ma maison, Saint-Esprit, remplis, remplis ce temple que je suis. Saint-Esprit, car mon âme soupire après toi. Saint-Esprit, inscris-toi dans mon esprit. Imprime-toi dans mon esprit. Mon âme soupire après toi, mon âme soupire après toi. Oh, mon esprit me cherche, mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi, mon âme soupire après toi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant. Oh, mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Mon âme a besoin de toi. Mon âme soupire après toi. Mon âme a besoin de toi. Mon âme je te désire plus que toi. Je reconnais que je ne peux absolument rien faire sans toi. Combien même j'avancerai, mais à un moment, je me retrouverai à la croisée des chemins. Je ne saurais pas quoi faire. Saint-Esprit, remplis mon âme, remplis mon esprit, remplis mon corps, remplis mon intelligence, remplis ma conscience, remplis mon subconscient, remplis tout ce que je suis. Saint-Esprit, dis-lui, je ne peux aller nulle part sans toi. Ton pied, mon pied. Saint-Esprit, ton pied, mon pied. Où tu iras, j'irai. Je n'irai pas sans toi. Je n'irai nulle part sans toi. Je n'irai nulle part sans toi. Je ne désire que toi. Saint-Esprit, je refuse de faire un pas de plus sans toi. Saint-Esprit, je refuse d'avancer dans ma destinée sans toi. Je te désire. Je te désire, Saint-Esprit. Mon âme soupire après toi, car tu es mon avantage. Tu es la personne la plus importante sur la terre. Saint-Esprit, c'est toi qui connais les profondeurs du cœur de Dieu. Saint-Esprit, je soupire, je soupire. Mon âme soupire après toi. Je soupire, je soupire. Mon âme soupire après toi. Je soupire, je soupire. Mon âme soupire après toi. Comme une empêche à soif de l'eau. Mon âme soupire après toi. Je suis peut-être dans un désert, mais mon âme soupire. Mon âme soupire après toi. Je suis peut-être dans les difficultés, mais mon âme soupire. Mon âme soupire après toi. Je suis peut-être dans la maladie, mais mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Je suis peut-être dans le manque, mais mon âme soupire. Mon âme soupire après toi. Oh, mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Car tu es la source de tout ce, de tout ce dont j'ai besoin. C'est pour cela que je dis, Saint-Esprit, ne me laisse pas. Je dis comme Jacob, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'aurais pas rempli. Je ne te laisserai pas tant que tu ne m'aurais pas béni. Je dis, Saint-Esprit, je suis prêt à remplir ce temple que je suis. Je suis fatigué de l'hypocrisie. Je suis fatigué d'être une fausse chrétienne. Je suis fatigué de faire semblant. Je dis, Saint-Esprit, remplis-moi. Je viens à tes pieds. Remplis-moi. Mon âme, mon âme, mon âme soupire. Oh mon âme, plus fort que ça, mon âme soupire après toi. Mon âme, mon âme, mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi.
bien-aimés. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclamons avec les cris de joie. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un que le Seigneur vient de transformer sa vie ce matin? Qui se soit fait les miens, fait les très beaux. Après que les sorcières et la famille voient la gloire de Dieu dans ta vie. Amen, amen, amen. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Servante de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Vraiment, vous savez, lorsqu'il y a la présence de Dieu, ça se voit. Amen, amen. Là où il y a la présence de Dieu, c'est l'absence totale du diable. Donnez-moi un amen gentil, s'il vous plaît. Que le Seigneur te bénisse, servante de Dieu. Nous avons vraiment été bénis, 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 bénis. Le moment que nous sommes en train de passer dans la présence du Seigneur bien-aimé, c'est tellement extraordinaire. Amen. Amen. La parole de Dieu dit, mieux vaut une minute dans sa présence que mille arrière. Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu t'a sélectionné. Amen. Et en quittant ici, en sortant de ce lieu, ta vie ne sera plus la même. Amen. 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 Est-ce que tu peux m'aider en disant à ton frère, à ta soeur qui est à côté de toi, dis-lui, ta vie ne sera plus la même. Amen. Dis-le très bien. En sortant d'ici, ta vie ne sera plus la même. Amen, amen. Nous allons prier. Père, nous te disons merci. Merci parce que